Le premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Accra pour une visite de travail. Le ministère de la Santé a annoncé que l'espèce Delta du Covid-19 est observée en Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taïparo avec le journal du 8 septembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Accra au Ghana pour une visite de travail d'une journée. Selon les informations obtenues du bureau du Premier ministre, le Premier ministre devrait s'entretenir avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo sur la coopération bilatérale et les questions communes. Avant de se rendre au Ghana, le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite officielle similaire au Sénégal. L'administration de la ville d'Addis Abeba a annoncé que Kwagme III sera célébré à Addis Abeba aujourd'hui avec divers événements. La vertu n'est pas seulement la base de toute vie et moralité, mais aussi une expression de l'Éthiopie et une contribution essentielle au succès, au développement et la victoire humaine. En raison de la bonne journée, 1600 taxis d'Addis Abeba seront fournis gratuitement à la communauté à partir de 12 heures. Tous les bus Ambassa et Chakar offriront aujourd'hui un service de navette gratuit. Plus de 1,5 million de pains de mie seront distribués gratuitement dans toute la ville. Le programme sera lancé par les hauts fonctionnaires de la ville sur la place Mascal. De plus, des dons de vêtements, de farine de teff, de farine de pain, d'huile, de mouton et de poulet seront reversés aux nécessiteux dans les 11 sous-villes en raison de la journée. Dans le cadre de cet événement, le programme de vêtements et de déjeuner sera mené par des cadres supérieurs dans toutes les sous-villes et zones sélectionnées. Depuis le changement dans le pays, l'administration de la ville a travaillé avec les résidents et les bénévoles sur un certain nombre de projets philanthropiques tels que le partage de nourriture, le don de sang, la création d'un centre alimentaire, la rénovation et le soutien des maisons vulnérables. Les funérailles de l'artiste vétéran Alamaya Oshete ont eu lieu à l'église cathédrale Holy Trinity. L'artiste Alamaya Oshete est décédé subitement le 1er septembre 2021 à l'âge de 80 ans des suites d'une crise cardiaque. Alamaya Oshete, qui a interprété plus de 300 chansons, a été salué par les fans comme Gary Cooper, Ethiopian Elvis et White Horse. Il était également un chanteur chevronné qui a rendu la musique éthiopienne populaire dans les forums internationaux. Il a commencé sa carrière musicale en 1955 en travaillant pour la police orchestra. Les musiciens vétérans Alamayo a été surnommé Elvis Presley pour sa musique contemporaine. Alamayo est un musicien chevronné qui est devenu très populaire pour ses chansons « Tamar Lje » à Addis Abeba Bété. Il était l'un des principaux chanteurs de la musique éthiopienne moderne. L'artiste Alamayo Chete était le père des 4 fils et 3 filles. La ministre de la Santé, Dr Léa Tadassa, a déclaré que le nombre de patients gravement malades et de ceux qui sont décédés la semaine dernière a considérablement augmenté. Ce serait le plus élevé du pays depuis l'épidémie. L'espèce Delta, qui est maintenant observée dans le pays, a tendance à se propager 2 fois plus vite qu'auparavant, a-t-elle déclaré. Les citoyens doivent être vaccinés contre le Covid-19 et suivre les mesures de précaution, a-t-elle ajouté. La ministre a également souligné la nécessité d'être très prudent quant au prochain commerce de la fête du Nouvel An.
Le Conseil d'action de la diaspora éthiopienne a annoncé qu'une délégation chargée de coordonner la visite d'Éthiopie et d'Éthiopiennes d'origine éthiopienne en Éthiopie au début de la nouvelle année est arrivée à Addis Abeba. Le programme organisé par le Conseil se tiendra de septembre 13 2013 au 15 octobre 2014 sous le thème Ngudadash Ethiopia Love Journey. Alla Betades, responsable des relations publiques du Conseil d'action de la diaspora éthiopienne, a déclaré à l'ENA que 6 membres du comité exécutif du Conseil sont arrivés à Addis Abeba. Les 500 membres de la diaspora participeront au programme prévu. Ils sont venus également d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient. Les responsables ont noté que la diaspora visitera l'état d'avancement de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne sous le thème « Visitons le Nil ». L'embellissement de Shagar et Gorgora, qui ont été inclus dans le tableau du projet de pays, font partie de la visite, a-t-il expliqué. Une première pierre sera posée pour la création d'un musée de la diaspora en Éthiopie, a précisé Alapé. Il a déclaré que les Éthiopiens qui viendront en visite participeront au programme de transplantation d'empreintes digitales vertes. Il a également informé qu'il donnerait du sang à l'armée nationale. Alapé a ajouté que la diaspora continuera à soutenir la croissance et le développement de l'Éthiopie. Le Conseil d'action de la diaspora éthiopienne a été créé en septembre 2013. Il couvre la diaspora éthiopienne dans différentes parties du monde. Le Conseil se concentre également sur la construction de la bonne image de l'Éthiopie, du développement et de la génération. L'Agence éthiopienne de diffusion souhaite à tous les Éthiopiens que la nouvelle année vous apporte la paix, le bonheur, l'amour, la santé et la prospérité. Bonne nouvelle année! Le programme de récompense et de reconnaissance est organisé à Addis Abeba pour les entreprises qui ont excellé dans le commerce d'exportation cette année budgétaire. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, les entreprises et les associations professionnelles seront récompensées au cours de l'exercice budgétaire 2013 éthiopien. Au cours de l'exercice, il était prévu de gagner 4,1 milliards de dollars en devises étrangères en gagnant 3,64 milliards de dollars et en réalisant 88% du projet prévu. En conséquence, un grand nombre d'exportateurs ont été reconnus dans 18 secteurs. Au total, 41 récipiendaires du programme seront reconnus dans 18 catégories. Les exportateurs de café, d'oies légineuses, du cat, de légumineuses, de viande, de bétail, de textiles et de minéraux, d'aliments et des médicaments de construction et des produits chimiques et d'autres produits sont reconnus. En plus, les exportateurs des institutions gouvernementales et des associations commerciales seront également reconnus lors du forum. L'équipe nationale masculine éthiopienne de football a battu le Zimbabwe 1 à 0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le seul but du match a été marqué par un coup franc à la 90e minute. L'équipe nationale a joué son deuxième match et marqué les trois premiers points. Les Waliens ont disputé leur premier match de qualification à l'extérieur contre l'équipe nationale du Ghana. L'équipe nationale affrontera ensuite son homologue sud-africain. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud et le Ghana, dans la même catégorie, ont fini par remporter l'Afrique du Sud. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des 10 nations se joueront au Qatar. Les Éthiopiens vivant au Royaume-Uni et en Irlande du Nord ont collecté plus de 10 millions de birr rien qu'en août 2013 pour soutenir le barrage de la Renaissance, les forces de défense et les personnes déplacées.
L'événement de collecte de fonds a été rendu possible grâce à un événement de collecte de fonds dans un mois organisé par l'ambassade du gouvernement fédéral à Londres. Dans un message sur le programme de collecte de fonds, l'ambassadeur du gouvernement fédéral au Royaume-Uni, Tafari Mellassa, a déclaré que l'unité éthiopienne se renforce plus que jamais, ajoutant qu'il espère que la nouvelle année renforcera encore cette unité et cette solidarité. L'ambassadeur a remercié les Éthiopiens et les Éthiopiens d'origine éthiopienne pour leur soutien. Il a ajouté qu'un grand événement de collecte de fonds aura lieu en octobre pour les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne vivant au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Et pour conclure le journal, l'école primaire de l'athlète héroïque Haïlé Gebrselassie a été détruite par le terroriste TPLF dans la zone d'administration de Wag Amra, Zagbey Warada. L'administration adjointe du Warada et chef du bureau de l'éducation Ngoussouda Saleng a déclaré à l'ENA que l'athlète héroïque le major Haïlé Gebrselassie avait construit des salles de classe standard à l'école primaire de Galkou. Il a noté que la construction a commencé en 2011 calendrier éthiopien et a été achevée la même année. Il a précisé que l'école qui a inscrit 510 élèves du primaire a été gravement endommagée par les atrocités du TPLF. Selon le responsable, les portes et fenêtres des salles de classe, les sièges des élèves et les manuels ont été détruits par le groupe terroriste. L'administrateur a expliqué que l'attaque du groupe terroriste avait exposé les étudiants au froid et au soleil à l'ombre d'une cabine. Il a également déclaré que l'attaque du groupe contre l'école montre qu'il ne se soucie pas des enfants, du public et de la diffusion des connaissances et de l'éducation. L'athlète Haïlé Gebrselassie a inauguré l'école standard qui a construit en peu de temps avec pour objectif de former des adolescents locaux du Warada. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Accra pour une visite de travail. Le ministre de la Santé a annoncé que l'espèce Delta du Covid-19 est observée en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.